Shalom bien-aimés qui nous suivaient sur les avertis, Kola Pambola Bino, Nathaniel Sobo, passé Nabiso ensemble dans le cadre de l'émission Oyotolobi, faire de toutes les nations des disciples, puisque les alliés, rubrique Asika ou bien émission Asika Toba, qui tombe ça, le mouvement par la grâce de Dieu, la Bandeko. Et puis je pense que jusque-là, tout ça, il est une fois la semaine, ils ont un programme pour le moment, ils ont un nouveau format, tu évites sur les accords. Et Dieu, on va voir un exemple de ma bisou, puisqu'on ne peut pas vous dire que vous allez à chaque week-end. Hein? Apparemment, vous êtes au troisième numéro de ça, un frère. Tous à Ranoma à trois, le premier numéro de ça, un frère, moi, les camélomas à peine à bisou. Mais je pense que si tout va bien, vous allez à bisou prochainement par la grâce de Dieu, toujours. Tout le monde est au miracle, on a un thème, mon co, ils a controverse, ok, mais c'est un thème aussi qui est abordable, je pense, par rapport à ce que nous voulons dire aujourd'hui. Bon, déjà, te commit au but, donc la prière, hein, le sambo, la prière. Nous allons parler, il faut pas sur ça avec notre bien-aimé qui est avec nous na audio, frère Junior. Bonsoir. Bonsoir, mon frère Kachicha, shalom à tous. Que la grâce de notre Seigneur Yeshua Amashia soit avec tout le monde. Voilà. Colas le Kumu, que le Seigneur soit loué, soit béni, que sa grâce puisse réellement nous conduire et surtout son esprit puisse nous conduire, allais-je dire, je vais prier, Seigneur, nous te demandons que tu puisses être avec nous, soit avec nous réellement par rapport à cette émission, par rapport à cette exhortation, laisse que tu puisses nous conduire dans ton esprit, par ton esprit. Seigneur, nous voulons réellement que seul tu puisses prendre contrôle de toutes choses. Nous voulons abandonner nos mots, nos lèvres, nos langues entre tes sentiments, soit avec nous, afin que nous puissions réellement parler de ta part. Car nous croyons que c'était poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que par ton esprit, nous puissions réellement aussi parler de ta part. En cette journée, Seigneur, nous voulons que nos frères, nos sœurs qui vont suivre cette émission, cette exhortation, soient réellement bénis et qu'à leur tour aussi puissent réellement donner à d'autres qui vont réellement, Seigneur, raconter dans leur vie, sur leur chemin, Seigneur. Nous anéantissons toute puissance de l'ennemi, nous anéantissons tout pouvoir de l'ennemi par rapport à ces moments que nous allons passer ensemble. Laisse que tu puisses nous donner, Seigneur, Papa, l'accès par rapport à cette exhortation, que tu puisses seulement parler réellement de ta part, Seigneur. Nous te bénissons pour les mots, nous te bénissons surtout sur, par rapport à ces termes qui est un peu controverse, mais j'espère que les enfants vont comprendre, car nous croyons que tes enfants vont comprendre ce que tu vas leur dire aujourd'hui. Sois notre Dieu et que la cohésion règne entre moi et mon frère au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Le sambo, la prière. Vraiment, Esaïe qui t'aime Oyo, tout le bien depuis semaine passée, on a tout le salam avec le frère. Alors, je sais qu'il y a peut-être beaucoup de choses que nous pouvons parler sur la thème, mais tout le monde qui est compacté, puisque ce qui est important pour nous, Esaïe, que tout le bas mouké, mais tout le bas bien. C'est-à-dire que tout le bas mouké, tout le bas bien, c'est-à-dire que tout le bas makambo et coupé sabino, n'est-ce pas, un plus n'a qu'à t'aboumé nabino. Parce que nous ne voulons pas parler, coupé sabino, et belé belé, enfin, après nabou, sous qu'à vous comprendre, et c'est pas vraiment le but. Le but, c'est de lire réellement, tout le bas, attaque 40 minutes, mais vous comprendre toutes les 40 minutes, et vous allez avoir la moupona, croissance spirituelle nabino. Frère Junior, prière, le sambo. Est-ce que je ne sais pas ce que vous avez en moi par rapport à l'introduction, il y a émission. Oui, bien sûr, frère. Ce que je peux dire vraiment est que la prière, nos lobbies, c'est un thème, mais ça controverse et qu'on peut diviser tout. Il y a des personnes, peut-être, ils ne vont pas nous saisir, tout comme il y a des personnes qui vont mieux nous comprendre et qui diront amen. Donc, la prière, c'est. On va même dans les mondes physiques. La prière, moi, je vais déjà commencer peut-être par lancer en tant que la prière, c'est un mode de communication, en fait. Ce qu'on voit même dans les mondes matériels, une fois que la communication est rompue, même dans un couple, ça ne fonctionne pas. D'où notre alliance, notre mariage, c'est avec le Seigneur Yeshua. Donc, nous sommes censés d'avoir une bonne communication avec les pères, d'où la prière. Voilà, c'est-à-dire, il y a un mode de communication avec les frères à l'lobby, donc on a quand il y a couple, on a quand il y a relation, ils ont la relation avec camarades, ils ont la relation avec bandeko, ils ont la relation avec libala, ils ont la relation, il y a papa na moana, ils ont la relation, il y a donc
chef na travailleur na ye, ce qui bozoko so la mingite et boza pe toujours neti musika musika hein. C'est ainsi frère Lobby que prière ezali vraiment donc conversation entre deux personnes bien entre deux donc entités. Mais frère, est-ce que constant ni osali puisque tant toujours pe ça Lobby to lobali kambia prière, c'est que nous avons remarqué te constater le moko yango to bi que to loba quand même quelque chose. Est-ce que na côté na yo constater le ni pour na pe ça bi sauve maxé que to loba sur sujet à prière. En fait, le constat qu'on a sali par rapport à ce sujet qui est vraiment, c'est un sujet, je dirais encore que c'est un sujet capital. Le constat est que beaucoup de bien-aimés, beaucoup de personnes, en fait, prient en compte la parole, ils prient vraiment en encontre de la normalité. Pourquoi? Ben, enfin, le monde spirituel, en parlant principalement le monde de Dieu, c'est un monde qui a une structure en fait. C'est un monde qui ne fonctionne pas selon la chair, mais c'est un monde qui fonctionne beaucoup selon l'esprit. Donc, si on doit vraiment parler de la prière, il faut qu'on reste spirituel. On peut pas faire des prières charnelles. Donc, on a ça, il constate qu'il y a beaucoup de prières qui sont charnelles. Il y a beaucoup de prières qui sont vraiment en encontre des Écritures. C'est un peu ça le constat, sans pourtant les énumérer encore. Bah bien sûr, tu peux quoi énumérer en haut, monde qui est, puisque je pense que thème on a ça traitant une manière ou d'une autre na participer à la chaîne. Je pense que Zali ngai na mona kango, je pense na le baki thème on a qui on dirait que prière commercialisée le commandé on a ça dit batou ba comprendre que ba thème mingi ya prière batou mingi ba link landa on a katia ba réseaux sociaux surtout na ba YouTube et ça ko générer pe bani ba view et belé alors comme le quand mode moko bo batou ba zui pour na ba meka ko donc ko sala mbongo na bango hein, c'est là il faut mal donc le dire puisque bisto ça mo sans nzambe to sala ngo pte avec une comment dirais-je de tout zo banga ko ba vérité. Donc s'il y a des choses à dire to zo lo bango puisque nous voulons à ce que yo zo landa biso ozo quelque chose. Puisque on ne peut pas faire de toi le disciple de Yeshua, sauf en boutant le bozo comprendre en côté. Il y a moins important tant que bozo mouna ba message oyo, yo ozui vraiment occasion à kolanda message oyo. Tiango na mutuna ok, zali pona, comment dire, pona croissance spirituelle na yo. Et ça pona loko moussou, te za pona profit mon côté matériel. Mais est-ce que bato bali ko utiliser ba terme mingi ya prière to monivement na kati ya ba réseaux sociaux binu moko pe boko mona boko tala boko mona ke ba prière mususu na ba terme o bali ko développer, ça n'a rien à voir avec foi na biso na kati ya Yeshua, ça n'a rien à voir avec ko za la mona na Nzambe. Yango frère na ebité ce qui yopo ko moni pe la même chose na moni constant na lobby. Effectivement, frère Rav, notre même constant est que les prières sont devenues tendancieuses. Et c'est là le problème. Le problème, vous voyez, pourquoi on voit même, si tu survoles un peu sur Internet, on comprend que la plupart des gens qui cherchent à avoir des adeptes, qui cherchent à avoir de je vais vraiment les appeler des consommateurs, ils ont des thèmes spécifiques pour pouvoir accaparer les gens, pour pouvoir attirer attention à bas, pour que les gens viennent à eux. Ils prétendent même avoir des solutions, ils prétendent même avoir des prières efficaces. Et pourtant, ce n'est pas ça. L'efficacité de la prière demande aussi la disposition de ton âme, de ton cœur, toi qui veux la prière, pas la personne qui va faire la prière. Pourquoi? Pourquoi avoir une relation avec Dieu? Pourquoi on veut avoir une relation d'intermédiaire avec Dieu? Est-ce qu'une autre personne peut t'apporter une solution en priant pour toi? Puisqu'on voit quand même beaucoup d'hérésie, on voit quand même beaucoup de... C'est ça vraiment tendancieux à nos jours, que les gens, ils pensent que s'ils vont chez tel prophète, chez tel bishop, chez tel prédicateur, et que ça, la prière des prédicateurs, voilà, non, il ratakate absolument, donc s'il va là-bas, et qu'il aura la solution. Chose qui est complètement fausse. Pourquoi? On voit que tous ces gens, les adeptes, comme c'est des consommateurs en fait, eux ils vendent un produit, ils demandent l'argent même, et que si tu donnes autant d'argent, tu payes pour Nayo, tu auras la solution, et la solution malheureusement, ça ne vient jamais, mais les gens, ils s'entêtent toujours à fréquenter les mêmes personnes, on leur fait les mêmes promesses.
d'où les problèmes. Ça, c'est vraiment les constats que moi j'ai faits. Hein. Et que vraiment, on est dans une période où les prières sont tendancieuses et c'est vraiment dangereux pour les gens qui font ce genre de choses. Voilà. Tout ça, quand tu travailles dans les médias, puisque on est là hein, par rapport à ça aussi. Puisque, vous savez, il y a une mission, bisous tout ça, on va attendre que Banan Zambé. Et pendant que tu as lu que Luca, tu as gagné ba âme pour Yeshua, pour Yesu, tu as lu que Luca, donc, ba bungisa bana nzambe, tu vois. C'est-à-dire, nakata mokili a toujours deux tendances. Tendance, il y a ba tu balingi, peut-être basa makamala, mouna, ceux-là qui veulent faire bangambi ya mabe. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Or, la vérité ici, ce n'est pas seulement ce que nous disons. La vérité ici, c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Yeshua dans la vérité. Alors, je suis tellement na linga comme makambo naza ko zala sûr que ce que je dis c'est ça. Na me kota la nakatia YouTube anazomona na otanga rapidement wa prière. Na moni a prière du matin. Na moni awa prière du matin. Na moni awa prière contre les blocages. Na moni awa prière atomique de délivrance, na moni awa prière du matin, na moni a 8 minutes de prière du matin, na moni awa prière de minuit, na moni awa quoi encore zo mona awa. Ça dit donc au moins que c'est comme une liste, il y a muto a kei na kata restaurant du menu. Or, comme on sait, to le bien est bandelique, prière ezali dialogue, li solo entre mutu na nzambe. Et racine à prière ezali ebandi le donc l'élote origine à racine à prière ebandi depuis kala na tango ya ba patriarche lokola donc ba Abraham, ba Moïse, tout ça ebandi depuis kala. Mais tomoni ke batwana ils avaient toujours ce qu'on appelle la relation bilatérale avec nzambe. Tu peux pas prier un dieu que tu ne connais pas. Or biso to lingi yo oyeba d'abord Nzambe avant au bon de la Nzambe wana. Ça veut dire pas que ça ne veut pas dire que ce que bon de li a to yebite eza mabe, mais eza malamu o yebana Nzambe avant que ça la prière. Pourquoi? Puisque si tu connais Nzambe, o yebi Nzambe on dit meli yesu na bon moyen yo, okobi vraiment donc comment dire, okobi disciple na ye ndeto lobi yebo ko lobi bien sûr lobi que non, mais brebi entendent de ma voix et je le connais par leur nom. Ça dit Nzambe yebi Yeshua bio soko comme moi naé. Or, soza moi naé a lobi que vos pères, donc méchants qu'ils sont, jamais entre donc d'entre eux ba pesaka moi na, je veux dire donc un serpent na place ya poisson. Alors, c'est ni comme que non, yé aza papa o l'équipe papa ya mokili. Donc ça dit soka suis soin na yo, tu n'as pas besoin de prier une prière de blocage. Comment est-ce que tu es un enfant de Dieu, tu peux être bloqué déjà? Tu vois un peu? C'est-à-dire, ils ont banni les baptêmes moko oyo, parce que tu as pour attirer, n'est-ce pas, attention à Bino, de façon que bon, qu'il ne peut sauter là-dessus. Je sais que beaucoup de problèmes, ils ont dans la société, dans la famille, dans la communauté, tout ça, mais sachez que la seule réponse, c'est d'abord de connaître Yeshua HaMashiach. La seule réponse, c'est lorsque tu recevras Yeshua comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. En ce moment, tu deviendras son enfant. Or, un père prend soin de son enfant. D'abord, c'est ça. Je ne sais pas, frère, ce qui aux Ananga ensemble. Si, nous allons ensemble, frère. Effectivement, par rapport à nous, ou énumérer certaines prières, hein, j'ai fait un peu la même chose, même recherche. Je vois un peu prière contre les forteresses, prière foudroyante, et sans compter tous ces gens qui prient aussi, qui invoquent les sangs, qui invoquent les feux, qui souhaitent, prière contre les ennemis. Moi, pour moi, c'est tout. Ils ont la prière aux savants vraiment à l'encontre des Écritures. Qu'est-ce que dit Yeshua par rapport à nos ennemis? Aimez vos ennemis. Si on souhaite à nos ennemis, plutôt, excusez-moi, qu'ils puissent. Bakoufa, qui puisse leur arriver quelque chose de mal, mais c'est, pour moi, c'est des prières qui vont vraiment à l'encontre des Écritures. D'où nous devons vraiment rester spirituels, nous devons rester nos frères lobby, tout le monde, tout le monde, qui nous prions. Je pense que peut-être il y a déjà un souci, il y a dès le début, que beaucoup de gens ils prient un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Parce que si réellement, aux amours en Zambé, tu ne peux pas faire des prières contre les ennemis. Tu ne vas pas faire des prières au Tanguyanapé, tout ça. Tu ne vas pas faire des prières pour découper les sorciers, tout ça. Pourquoi?
ces sorciers-là que tu souhaites découper. Le Seigneur a besoin de... se repentir. Bâtir la sorcellerie, qu'il soit sauvé. Donc, tout le monde dit, a besoin à qu'il en faire. Non. Donc, nous devons vraiment faire un effort, frères et sœurs, à faire des prières qui sont vraiment des prières des enfants de Dieu. D'où nous devons passer d'abord par la caste où nous amenons nous autres à prier avant qu'on fasse certaines prières. C'est exactement ce que Toloba qui déjà la fois passée Toloba qui on a parlé de la repentance, on a parlé de l'acceptation, on a parlé de reconnaître donc son état, on a parlé de recevoir le pardon du Seigneur. Tout cela ce qui mutu à comprendre yango bandeko secret makamba nzambe ezaka moko. Ta relation avec Dieu, c'est ça le secret. Or la Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été créées ou faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Et en elle était quoi? La vie et la vie pour l'éternité. Et dans ce temps, la même parole est descendue. Donc sur la terre, na katia mokili, na donc na forme ya fils. La parole s'est faite chair. Et cette chair est devenue ce que nous appelons donc le fils donc de Dieu ou le fils de l'homme, c'est-à-dire Yeshua HaMashiach. Alors biboy, donc à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, ils en ont secret mon sous d'abord. Tu peux pas commencer à faire de prières atomiques, de prières c'est pas foudroyantes, de prières c'est pas de feu, de prières c'est pas de mer ou du sel, mais il faut d'abord oyeba sa vie na ona maboko d'abord ya nzambe. C'est ça ozala que non eza assurance ya liboso ya ngwana o mutu akoko sala. Alors tant que ko sala bongo, tu verras maintenant que le Saint-Esprit va maintenant te baptiser, c'est-à-dire tu seras baptisé du Saint-Esprit au komisiko malobano ozumisa na monoko et comme malobazo ta na Saint-Esprit. Quand nous parlons comme ça, des fois on peut commencer par nous-mêmes, mais puis après le Saint-Esprit prend les relais. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Maintenant ceux qui osent charnel. Tu vas prier de prières telles que non, je vais tuer mes ennemis. Dieu soit allé au bout de sa mobile, n'aya koufa. Dieu soit allé au bout de sa. C'est-à-dire, tu vas faire de prières aux alli. Le quoi yabandoki. C'est-à-dire, moi nzambe, à quoi qu'on souhaitait l'ouah pour nous souhaiter. Attends ton pire ennemi, moi nzambe qu'on souhaitait l'ouah pour nous aider. Il y a une différence entre bato bandi mla banzambe mususu, oh ba musulman, oh ba nani ba Confucius, oh ba nani. La différence c'est-à-dire que biso tous en a eux te bengi pardon. N'a pas ça un exemple pour avant la. On appelle sa frère parole. Naloba toujours boy. Makambo ya nzambe, makambo ya vie ya bon nzambe, ya Yeshua, eza lokola mutu. Alinga sala yo mabe, mutu akangio na loboko, aza mulai koleka yo, azwi mbeli po atiao na nzoto. Mbeli wana ezokisi mutu wana ye moko. Yo siko za ki victime, oyebisi mutu wana ke non a besoin na pense donc pota na yo de façon que oko mamalamu. Mutu wana ataza makasi deni, il va s'agenouiller, va dire non, c'est bon. Je te ferai plus du mal. C'est comme ça que Yeshua dira. Si tu as bêté à gauche, pèse à droite. Yeshua dira. Si tu as ligé son manteau moko, pèse à deux. Pourquoi? Moi, je suis en position à Kimia. Et nos positions, il y a des offensives. Tout le monde a des choses qui sont bêtes. Donc, moi, je pense que c'est important d'abord de comprendre comment prier. C'est ça le problème, frère. Olobini, frère. Non, c'est que encore, bah, frère, en fait, vraiment, tout ce qui est par rapport à l'évangile, l'évangile est défini aussi comme la bonne nouvelle de quoi? Du royaume. Alors, dans le royaume, il n'y a pas de meurtre, en fait. Dans le royaume, il n'y a pas de vengeance. Dans le royaume, il n'y a pas de « aide pour aide ». Donc, pendant Yeshua est venu avec deux commandements, et aimer son prochain comme soi-même et aimer son Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Donc on est vraiment dans une structure qui est d'amour en fait, une structure qui est réconciliation, une structure qui nous pousse en tant qu'enfants de Dieu d'aimer même nos ennemis et de pouvoir prier pour ceux qui nous maltraitent. Donc prier pour ceux qui vous maltraitent. Pourquoi? À qui la vengeance? C'est pas aux humains. À qui la rétribution, ce n'est pas aux humains. Donc, il y a des choses, quand tu veux faire certaines prières, eux et qu'ils ont pour attaquer, pour contre-attaquer, pour contrer, le Seigneur nous protège tous les jours. Si nous avons l'anzamé réellement,
Tu n'as pas besoin d'attaquer tes ennemis en priant. Prie pour eux. Prie pour que le Seigneur puisse toucher leur cœur. Va se repentir. Qu'ils viennent réellement au Seigneur. Et de là, ils vont même passer, au lieu qu'ils soient tes ennemis, ils vont devenir tes bien-aimés. Ils vont pouvoir continuer à faire la marche avec toi pour pouvoir aussi, comme on dit, conduire ça à la multiplication, chose que nous faisons actuellement. Pourquoi ? Si on commence à éliminer certains membres qui pourront rejoindre les camps, on va faire la multiplication, mais qui va faire la multiplication ? Quoi, le Seigneur, il va revenir deuxième fois pour pouvoir se sacrifier encore ? Mais non. C'est l'œuvre de la croix, il y en a eu une seule fois, il n'y en aura pas deux. Donc vraiment, faisons attention par rapport à certaines prières, restons encore une fois de plus spirituels. Voilà, je pense que Tso Kende, l'esprit nous conduit. Écoutez, le problème c'est quoi ? Le problème c'est d'abord que, imaginez-vous que papa, vous avez une voiture, au côté de l'autoroute, pour tout pour l'Europe, au côté de l'autoroute. Et du coup, moi, j'ai besoin à quitter c'est-à-dire à la voiture, à Kende Libanda. Tu ne diras pas à ton enfant que oui, Bimana. Pourquoi ? D'abord, c'est mortel, c'est dangereux. Donc, papa, mon côté, na autoroute que non bon ça là ta petit besoin ah ouais non pourquoi parce que c'est très dangereux. Maintenant qu'est-ce qui se passe dans monde autre ali bitumba ya molimo ezali de combat il y en a comment des léviathans il y en a de cela na katia ba société na ba famille na ba pays il y a des démons qui nous combattent en fait wana ezali réalité spirituelle. Maintenant tant que nous avons un Nzambe, qu'est-ce qui se passe les panayo? Quand le Seigneur dit que aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent et donc ceux qui vous tourmentent, tout ça, pourquoi? Ils ont les questions à comprendre que nous étant enfants de Dieu, on n'a pas le droit, n'est-ce pas, de nous faire vengeance. On n'a pas le droit, n'est-ce pas, d'attaquer. On n'a pas le droit d'injurier. On n'a pas le droit plutôt d'injurier. On a plus le devoir, il y a qu'au pardonner, plus le devoir, il y a qu'au comprendre. Mais si qu'on Nzambe papa nabiso, à côté kayote. Kolobanate que bon siko yo na rosa la prière d'autorité te et bon siko to lobi lo kwanate ce qui prière d'autorité ko sala contre ba démon contre ba esprit donc ozali ko ba esprit to bengi ba esprit maléfique tout ça tu peux le faire contre ba lien familial to ébiter tu peux le faire mais tant que comme isko ko personnifier bien ko personnaliser prière na yo contre ce mec na yo contre papa na yo contre maman na yo contre mobali na yo bi mwasi na yo makambo salangai Nzambaza na sera wa okumuna. Non. Mwana Nzambe a se venja kate. Ya wana lobi, comment il faut to sambela. Ya se kon nous avions parlé avant et misto lobi que de prière irréaliste. C'est pourquoi vous priez, vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas. Combien de fois tu as fait des jeunes de prière? Moi je connais des gens, banda à sala peut-être 10 ans, 15 ans. Assemble la ka, elles ont la réponse na prière na été. Mais je me souviens que tout n'aille meilleur au sein de la randonnée. Un jour, donc par téléphone bien sûr, dans le bureau assemble là, mais j'étais scandalisé, j'étais déçu même. Mais c'est pas possible. Comment qu'on assemble la boy? Comment qu'on soit maman n'angandoki, papa n'angandoki, monte quoi la bango, tout ça, ce n'est pas normal. Et bon, il faut comprendre comment prier. Jacques chapitre 4 verset 3 lobi, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, vos besoins, vos désirs. Vous tant que vous semblez l'année tu pars. Procuration, lui que non, des abouengai n'ont pas la prière pour mouton les forces à problème. Non, je pense que ils attendent au point de yo mon Nzambe, à tout banni qu'on semble à l'élo, message oyo et atteindre yo, et zon à katia mouté, moi comprendre que la vie d'enfant de Dieu, c'est une vie de pardon, c'est une vie, n'est-ce pas, de la foi. Nous ne combattons pas contre la chair, mais nous combattons contre les esprits. Et ce n'est pas même nous qui combattons, c'est celui qui est à nous qui combat vraiment la. Le monde spirituel. Frère, je te passe la parole. Oui, évidemment, frère. Vraiment, on va même bien voir l'archétype de la prière dans Matthieu 6. Je vais prendre le passage.
Vraiment, comme ça, on a aussi une idée claire par rapport même là, puisqu'on a toujours notre modèle, ça reste Yeshua. On va voir qu'est-ce que Yeshua avait donné comme archétype de la prière dans Matthieu 6, en fait. Alors, donc là, c'est Yeshua qui parle. Vous donc, Matthieu 6, à partir à verset 9, vous donc priez ainsi plutôt, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite comme dans les ciels aussi sur la terre, donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour. Et remets-nous nos dettes, enfin nos péchés dans notre version, comme nous pardonnons aux gens qui nous ont offensés. Ne nous amène pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les âges les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Donc on voit que la prière à Yeshua, il est nullement question il y a vengeance, il est nullement question il y a quoi attaquer. Quand on parle même par rapport aux ennemis, il est question de pardonner nos ennemis. Il est aussi question de rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce qu'il fait pour nous. Il est aussi question de demander la faveur de Dieu par rapport à notre pain quotidien qu'on peut définir dans deux volets. Ça peut être les pains quotidiens que nous mangeons dans le sens littéral, donc ce qu'on a mangé, et c'est aussi deuxième volet, le pain quotidien, c'est aussi la parole en fait, parce que voilà, je peux le définir aussi comme ça. Donc on voit que dans cette prière, il y a archétype au Yeshua Salaki comme prière. C'est une prière, c'est très simple et clair. C'est très simple et clair. Moi je pense que la plupart des personnes ou des chrétiens qui prient mal, c'est des gens qui sont restés dans des traditions. Et les faits de rester dans des traditions, ils sont devenus comme lobotomisés en fait. Donc c'est des personnes qui sont, en fait, ils ont comme si le cerveau est sectionné, n'a pas membre moussous, donc la communication n'arrive pas et y a repassé en fait. Donc ils sont comme si maïl en fait. Et ça c'est dangereux et c'est problématique. Pourquoi? En tant qu'enfant de Dieu, on est tous amenés à réfléchir, à évoluer. Quand tu fais des prières, certains ils font des prières pendant des années et des années, les mêmes prières, si ça ne se réalise pas, il faut se poser la question, pourquoi je demande quelque chose à Dieu et ça ne se réalise jamais? Mais regarde peut-être ta conduite, regarde, est-ce que la prière que tu fais, est-ce que c'est réalisable? On peut demander peut-être un exemple, je demandais au Seigneur, j'aimerais bien acheter un avion. Est-ce que j'ai besoin de pour vivre, est-ce que j'ai besoin d'un avion? Je ne pense pas. On peut demander à Dieu, tiens Seigneur, j'aurais bien acheté une Ferrari. Est-ce que pour vivre, tu as besoin d'une Ferrari? Non. On voit même que les dangers, il y a pas bien matériaux. Et le fait de les avoir, ça peut même te détourner de la voie de la vérité. Ça peut même te détourner de la bonne voie. Pourquoi? Ben, l'argent, d'une manière, quand on dit que l'argent c'est le diable, effectivement. Quand Yeshua en avait posé la question, l'effigie qui était sur la monnaie, il n'avait pas dit que non, c'est l'effigie de Moïse ou d'Élie. C'était l'effigie de César. Et César représente les mondes. César ne représente pas ni un disciple, ni un apôtre, ni un prophète. Donc vraiment, c'est un peu ça en fait, frère, que je n'ai encore pas dit ça. Vraiment, donc, on est au bas qui, on ne va pas beaucoup parler. Si nous avons dit, ils ont un thème moko, trop fond la brèche et belé. Na linga qui pète, que tout le monde a dengue, il y a point 1, point 2, point 3, linga qui met à l'école, il sur l'autre, au bêta. Et entre temps, Philippiens, chapitre 4, verset 6. Et le binabiso, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître donc vos besoins à Dieu, notre Père. C'est-à-dire, il y a aussi des temps où vous avez un problème, il ne faut pas comprendre ma bébé, et ceux qui vous en a besoin, il y a Eloko, au Sengi Papa, vous en a besoin, n'est-ce pas, il y a Eloko, donc vous en a besoin, il y a Kimia, au Sengi Papa. On a besoin, je veux dire, il y a quoi adorer Nzambe na prière na yo ou adorer. On a besoin, n'est-ce pas, il y a quoi senga pardon. Donc
donc au sengi na na nzambe donc ça dire mutunyonso o azana problème ya sens wana e bongi a comprendre ka que nzambe aza papa na yo nzambe ayo kakabiso donc okiko sambela na ndenge sengeli na ndenge moko lingi prière ezalo ko boko teke batu bazo forcé na makasi ezalo ko moteke batu bakomi ko ebisa yo que il faut prier pendant heure boy la muka 8 heures prier la muka 10 heures prier wana oza différent na ba religieux te et bongi osala la prière ezalo ko moko ezali ya yo moko lokwa elo mo personnel avec ce que yo na donc na donc na nzambe na yo donc bref c'est pour dire que ce qui le lot toro bon makambo ezali kaka pona ko sauver mutu moko jusque là tu as prié mais tu n'as pas vu donc comment dirais-je des résultats pourquoi puisque jusque là on est au sambela on est dans contre volonté en Zambé on est au sambela on est pour qu'on se prie ça va pour ça na yo on est au sambela pour batu bandi mayo batu ba mon na yo au sambela pour na batu ba reconnaître yo que vous en a na mbongo mingi vous en a biloko mingi au sambela pour nous a biloko mokilo non moi je pense que Yeshua le dit même que ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain prendra soin de lui pourquoi puisque c'est important de comprendre que papa na biso ye moko yebi ba besoin ya moko na biso c'est vraiment important na continuer le bas plus na ba boye des fois ezali ezali susu d'autres prières toko na nacho ko ba likambia prière ya supplication non ça dit mutu donc azan na ba besoin moko personnel c'est pas mauvais ya osenga papa ba besoin personnel mais besoin ils a toujours cadré n'est-ce pas na volonté ya donc ya nzambe ne demande pas nos frères tu le ba que non vous avez besoin avion vous avez besoin personnel non je pense que besoin personnel la biloko mutu alors on a besoin chaque jour pour na n'est-ce pas donc vie na ya chaque jour je pas encore ajouter quelque chose autre dans le lobby ah, par exemple dans le lobby par exemple de Rosoua genre une soirée prière ni de Rosoua il y a bah, action de grâce par exemple action de grâce le coba le cola faut tiens enveloppe nakatia le tiens bon nakatia enveloppe plutôt que pesa donc soi-disant pasteur ou bien moi action de grâce non action de grâce c'est ali au yomo peu que ça on a n'inga maloba par rapport à ce que le Seigneur a fait pour toi au que exprimer n'est-ce pas gratitude envers Nzambe or mutozo pesa eloko ceux qui azali par exemple de soi-disant pasteur et aza forcément il y a mutaza malam mutoa il y a mutaza na besoin bon wana tu peux faire aussi un don na bato baza na besoin ya donc ya lipa na yo to besoin ya elamba na yo okosala ngo pe na ndenge ya malobakaka avec tes mots pour nous que non tu donc tu exprimes vraiment gratitude moko envers donc Nzambe na yo et puis dans la baki il y a aussi notre prière et des confessions par exemple tu peux confesser ce moni que ça qui m'assume tu confesses tes péchés mais au moment que bateau bazana quand tu vas YouTube il ne donne jamais de thèmes pareils que non ce pas petit thème il y a action de grâce pour na bangouza bateau pas pesa mbongo donc pour ça la verbe à fin de l'année pour mon ango hein chaque fois que non dès que ça boit année oyo au commun à marabouer là au soko pesi vous salibou ça dit bah par contre ça la haute bingi par contre ça la monnayage y a marabanzambe de bande que ceux qui aux en a quatre y a macambo yo bimakuna puisque aussi longtemps que tu passes à kokosa yo sans comprendre macambo tu sais que tu n'es pas encore dans la vérité c'est lui qui est dans la vérité il ne peut jamais encore jamais se laisser donc mentir frère, c'est pas souvent qu'on va passer pour nous chuter. Non, ce que je peux ajouter par rapport à la prière, non, bien, en fait, faut pas que les gens qu'on ignore aussi et que par rapport à ça, autant qu'il y a certains types de prière, par rapport à moi, je rajouterais aussi qu'on puisse faire aussi la prière, il y a supplication, qu'on puisse rendre continuellement grâce au Seigneur, puisque c'est important. Si nous respirons, ce que nous respirons, nous avons pour paiement. Ils ont vraiment par la grâce de Dieu, ils ont par hasard, ça c'est, je pense que c'est la prière, moi je peux la capitale, vraiment rendre continuellement grâce à Dieu au quotidien en fait. Parce que nos vies sans le Seigneur, ça ne tient à rien. On voit un peu ce qui se passe dans le monde, on voit un peu par rapport à bah, problème de son aussi le Seigneur ne nous garde pas, ça va être très compliqué. Donc n'oublions jamais de, vraiment de rendre grâce au Seigneur, de lui dire merci pour nos vies, de lui dire merci pour nos familles, pour tout ce qu'il fait pour nous, c'est vraiment important. Donc, voilà frère, donc je
vraiment m'arrêter là. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur fasse grâce à tous nos bien-aimés qui nous suivent par rapport à la prière. Que le Seigneur vraiment vous éclaire. Que le Seigneur fasse en sorte que beaucoup m'en servent à prière où ils allient vraiment dignes des enfants de Dieu. Non des prières qui sont charnelles. Que le Seigneur soit avec nous tous, vraiment. Voilà, vraiment, comme dans la souka, c'est important de comprendre que même si vous êtes en bonne santé, parce qu'il y a d'autres gens qui pensent que Azan a moussalaté, Azan mouna mouna tiki, Azan guignon, c'est pourtant bonne santé, ils allaient déjà les caboto dans Azan Mbappé, ça n'a pas tout, puisque si vous êtes en moussalaté, vous êtes en santé, ça s'en sert même à rien, si vous êtes en bilambo, vous êtes en santé, ça s'en sert même à rien, c'est-à-dire, chaque fois que Zamba, vous êtes en santé, 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 continuellement grâce, Colossiens 3, 17 et l'obi, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de notre Seigneur Yeshua, rendant par lui des actions de grâce, donc à Dieu le Père. Je pense que tout ça qui est un peu compacté, tout le monde a un peu belé dans la moko, mais j'espère que tout le monde va comprendre quelque chose. Ce qui est question Zali, encore une fois, ce qui est question Zali, Botou Nabiso. Tu vois qu'il y a déjà début, on n'a pas voulu qu'on soit aspect nuance, puisque sinon, et qu'il est dans tous les sens. On a voulu qu'on tire un peu dans le couloir, dans le couloir, que non, moi, dans Nzambé, pour nous récapituler, moi, dans Nzambé, et bongi, oye, baboye. Tout moutou, et bongi, que non, quand on fait une prière, et là, il faut d'abord connaître donc Nzambé, qu'on dit ma Nzambé, qu'on a la foi dans Nzambé, qu'on a la baptisé du Saint-Esprit. Ce qui est au Babylon, ce qui est au Saliba, au monde qui est au bateau, il y a YouTube, il y a un thème pour attirer l'attention à bateau, pour générer la vue. Et pourtant, ce n'est pas ça ce que nous voulons. Nous voulons que vous compreniez pourquoi ma vrai disciple, la Bible plutôt qu'un bon disciple, donc un disciple accompli plutôt, sera comme son maître. Qu'est-ce que le maître avait fait? Le maître priait, le maître pardonnait le péché, le maître aimait même des gens au Bazaki na Makambu. Il y a bien été, à l'occurrence, il y a Zaché. Zaché a Mati, n'était pas mon à Yeshua, mais Yeshua a dit non, quitte, le nom a oublié l'andakunayo. Vous comprenez? Et pourtant, il était quelqu'un qui n'avait pas une bonne réputation. Tomoni, Likambuya Paul, donc de Tars, qui sol, Azobo Mabadan, il y a donc des disciples par-ci par-là, mais Yeshua qui est le Bongo pour à convertir yé à comme Moussal Naye. C'est pour dire que l'amour que Yeshua a, l'amour que Dieu a pour nous, puisque pas dans Zambé, tant que nous avons faut la peine à bizarre en Zambé. Dieu est amour, toi aussi il faut avoir l'amour. Or, lorsque si tu as l'amour, tu vas aimer ceux-là qui t'aiment, tu vas aimer même ceux-là qui te haïssent. C'est comme ça, en fait, la vie avec Dieu. Je pense qu'une personne a compris. Question de la Baki. Beaucoup de biso, bobengi biso, tous à la Rwanda toujours pour la co Pesabino, n'est-ce pas ma réponse par la grâce de Dieu. Frère, merci pour la participation à yo. Trouvez-moi la cime avec un autre numéro. Shalom.